Remercie aussi Michel Granger, qui est l'auteur de ces étranges créatures d'Equinox, de la pochette d'Oxygène, de beaucoup d'autres pochettes aussi. Et puis, effectivement, quand j'ai commencé à composer Oxygène, il n'y avait pas beaucoup de gens comme lui, comme moi, comme quelques autres qui s'intéressaient à la Terre, à l'écologie. Aujourd'hui, bien après la vague verte, c'est dans la tête un petit peu de chacun. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour mes amis de l'UNESCO, et particulièrement pour sa nouvelle directrice générale, Irina Bokova, que je salue. Et parce que, en ce qui concerne effectivement aujourd'hui le travail fantastique que l'UNESCO fait, ils sont face à d'autres enjeux comme ceux de la démographie, de l'éducation pour tous, de l'environnement bien sûr aussi, problème de l'eau, qui se battent tous les jours contre des chiffres assez effarants, dont le prochain morceau est l'illustration.
Merci beaucoup. Il y a parfois des notes que l'on compose et qui vous collent à la peau, ce que Sébastien Tellier appelle les ritournelles. Et moi, j'aime les mélodies, ça charrie pas mal de choses. Et le prochain morceau, ben, j'ai pas pu résister.